anumiții teologii care tratează problema ecumenismului și spun că trebuie să reînvățăm să dialogăm. Pentru că dialogul între Orient și Occident, nu numai că a fost tăiat în 1954, dar a fost săpat o dușmănie între Orient și Occident. Tradiția catolică, începând cu Conciliul Vatican II, se deschide spre acest dialog, spre care, cum ați văzut din textul de la început, această comunitate catolică care nu a acceptat reformele Conciliului Vatican II, s-a împiedis, rămân fige, rămân nestabilit în certitudinea lor. Ne rămâne tent pentru una sau două mici intervenții, dacă sunt. Da. Moi, j'ai un petit commentaire plutôt. Donc, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que pour entrer dans le dialogue, il faut avoir la volonté d'entrer dans le dialogue. Et avant la venue du pape, il y a quelques moines orthodoxes qui ont donné un communiqué de presse il y a quelques jours en disant que le pape sera bien reçu dans le cas où il est venu vous demander pardon pour la division de l'Église. Donc, c'est de ça exactement qu'on parle. Et il y a quelques mois aussi, j'étais dans un anniversaire avec un orthodoxe et un arménien qui me disait « Mais l'Église catholique se trompe, ce sont des hérétiques. » Mais eux aussi, l'arménien et l'orthodoxe, étaient des hérétiques l'un pour l'autre, mais ils tombaient d'accord que l'Église catholique est hérétique. Et la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai travaillé à Marseille sur le dialogue interreligieux à partir des textes de Paul Ripper, sur la question de l'identité narrative et comment elle se donne à travers le récit. Et ça marche. Ouais, j'ai envie de dire que la première condition pour qu'un dialogue soit possible, c'est l'acceptation que la vérité, la traduction, etc. soient déjà des questions. Oui. C'est-à-dire que si la vérité n'est pas une question, s'il n'y a pas de question philosophique de la vérité, et qu'on en reste effectivement une vérité plus ou moins terminée, il n'y a effectivement pas de dialogue, évidemment. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que, de certaine manière, je le vois dans mon établissement scolaire, où on a des musulmans, des juifs, des chrétiens, des orthodoxes, etc. Enfin, c'est très mélangé. On a fait, il y a quelques temps, une soirée cinéma sur un film américain qui s'appelle « Dieu n'est pas mort », si je veux la mémoire. On avait 3 élèves qui sont venus. 3. C'est pas énorme. On a 2600 élèves. 3 sont venus. Voilà, on avait un catholique, enfin, une catholique, c'est 3 jeunes filles, une catholique, une orthodoxe et une athée. Donc, dès lors qu'il y a dialogue, quel que soit l'aboutissement, dès lors que ça commence, c'est déjà bien parti, de certaine manière. Puisque le problème n'est pas de savoir, c'est pas de savoir comment faire pour que le dialogue fonctionne, mais il faudrait d'abord effectivement savoir comment il peut commencer. Il commence par l'acceptation que ce qu'on vient de parler soit des questions. Dès lors que vous n'acceptez pas que ce soit des questions, voilà. La violence intervient quand on manipule la vérité. C'est ça. Donc la vérité n'est pas manipulable. Manipulable. Dialogue, c'est dialogos à travers le logos, à travers la parole, à travers la raison, enfin toute la polysémie du monde de logos, à travers la raison. Si on n'accepte pas de traverser, effectivement, on restera sur le choc des civilisations. Une petite question, mais par rapport à ce que vous dites sur ce qu'il faut être d'accord pour entrer dans les dialogues, je dirais que. Au-delà de discuter, je pense que c'est possible de faire des choses ensemble quand on a un but commun. Et parfois, ça peut être juste d'être humain et de promouvoir la vie dans les êtres qui nous sont confiés. Moi, j'ai fait une expérience à Londres où je travaillais avec une anglicane, une protestante évangélique et un musulman pour l'animation spirituelle d'une école. Et c'est possible, en fait, parce qu'on a un but commun. Et je pense que le dialogue, parfois, si on vous disiez les convictions, la fermeté de nos convictions, en effet, si on est bien dans sa demeure et qu'on a un but commun ensemble, ben c'est possible. Sur les dialogues, c'est non seulement possible, c'est absolument nécessaire. C'est incontournable. C'est incontournable. La violence est telle que c'est incontournable. Alors j'aurais voulu, mais j'ai pas le temps, mais je vous conseille de lire un entretien que Paul Ricoeur a eu avec Hans Kung à propos du discours interreligieux et à propos de son. Alors c'était. Dans ce coup, c'était le parlement des religions du monde, si j'ai de la mémoire. Voilà, si on parle de la violence, il est un peu paralytique, c'est une nécessité. Mai avem și timpul de la pauză, mai avem și timpul de la cafea, care ne mai lămurim asupra problemelor, da? Acum, ca să nu intervenim prea mult în programul